Hocus pocus in the place to be. Pro-cussions. Rebonjour les gens, c'est Karish. On se retrouve pour une nouvelle partie de notre aventure sur Stalker. Et là, je suis enfin en train de poursuivre le type que je cherche depuis le début du jeu. Alors, j'ai vite abandonné tout ce barda que j'ai accumulé. Et voilà, c'est bon. J'ai pas une boisson à tout hasard. Nah, eh, génial. Arrête de me suivre, mercenaire. Bon, bah, je suis obligé de me traîner, hein. Manger un peu, j'ai rien d'autre. Eh, pas terrible, terrible ça. Enfin bon, on va faire avec. Je me suis pris une sacrée dose d'émission psy tout à l'heure, j'espère que ça va pas trop durer parce que ça pourrait être un peu chiant. Oh putain, je me fais attaquer, faut que... Ah! Comment ça, attends, ils arrivent à me tuer, à me tirer dessus de là. Mais lol, ils me jettent une grenade en plus, allez vite, une balle et je crève là. Une seule petite balle et je crève, voilà. Oups, mauvaise touche, faut vite que je me soigne, voilà, c'est bon. Ah ça, dans ce jeu, les mecs, mais c'est des grenades téléguidées, ce qu'ils nous envoient, c'est affreux. Faut que je me concentre parce que les avoir d'ici, ça risque de pas être simple. Surtout quand on voit à quel point les balles, elles partent n'importe comment. Ah bah voilà, un de moins, déjà. Allez, montre-toi. Oh là là, qu'est-ce que je vous disais, des grenades téléguidées. Les mecs, quand ils nous jettent une grenade, elle tombe pile à nos pieds et nulle part ailleurs. Allez, on retourne à la sauvegarde rapide, c'est parti. Allez, on est reparti pour refaire la même chose. Espérons que cette fois, ça va mieux se passer. Allez, mais arrête de traîner, j'ai vidé mon barda pourtant, je suis à 29 kilos, ça va. On a besoin d'aide. Ouais, allez vous faire foutre, vous, j'ai pas le temps là. On pourra pas tenir longtemps, dépêche. Démerde-toi un peu. Apprends à grandir. Bah allez, montrez-vous là, les salopards. Je sais bien que vous êtes planqués. Allez. Un de moins. La grenade téléguidée, hein. Toujours, toujours. Ça, c'est quand même ce genre de truc qui est assez gonflant dans le jeu. Ça, la dispersion complètement abusée et les grenades, c'est deux trucs qui, honnêtement, ont tendance un peu à pourrir l'expérience de jeu. Moi, je trouve ça un peu relou à la longue. Ah, bah, il y en a un là qui est plus facile à avoir. Voilà, il est pas mort, merde. Faut mieux que je me mette à l'abri. Ah, j'ai rien pour me soigner. Ah, j'ai plus de bandage en plus. Je suis à court de munitions. Ah non, ça va en fait. Ah, t'es là toi. Hop, voilà, toi t'es mort. Il en reste un, il en reste deux même. Tiens, en voilà un là-bas. Ouf, heureusement qu'il l'a foiré sa grenade parce que franchement là, j'aurais pris cher. Hop, et puis toi je t'ai vu là. Oula, 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 oula. Il est où le deuxième? Tiens, il est là-bas. Mais de... là, il y en avait encore un ou quoi? Voilà, et d'un moins. Ouais, il en reste un. Oh, il en reste même plus qu'un. Hein. J'ai l'impression qu'il y a... Ah là là, c'est pas maintenant qu'on va le choper, Strelok. Hein. Ça aurait été un peu trop beau, mais bon. Pff, le jeu aurait été déjà fini, ça aurait été dommage. Oh, attendez. Il est parti en direction du lobotomisateur. Il n'est plus loin du centre de la zone. Pour nous, en revanche, ce serait de la folie d'avancer sans le prototype des scientifiques. Notre seule chance de capturer Strelok est de passer par Limansk. Ça va bientôt être trop tard. L'entrée est juste après le pont. C'est le seul moyen que je connaisse pour atteindre la ville. Le pont ne peut être abaissé que depuis l'autre côté, mais c'est le territoire des bandits. Bon sang. Il doit bien y avoir un moyen de traverser. Peut-être qu'il y a un accès à l'autre rive. De toute façon, si quelqu'un peut nous aider à atteindre Limansk, c'est bien le forestier. On dit que ce vieil homme arrive à trouver des voies sûres à travers des zones qu'il ne connaît pas. Sa cabane se trouve à l'orée de la forêt rouge. Il faut que tu trouves le forestier, mercenaire. Ok, nouvelle mission, devoir trouver un type qui s'appelle le forestier. Ouais, bof, cette arme de ma... On pourra pas tenir longtemps. Qu'est-ce que c'était que ce bruit, là? Bon, honnêtement, moi, je dois absolument refaire le plein de munitions parce que là, c'est vraiment plus possible. Je peux plus rester comme ça.
Oh là, il est en bien meilleur état que le mien. Toi, je te vide et je te jette. Voilà. Ça, je décharge, je jette. Ça, je décharge. Ouais, elle est en sale état quand même, mon arme. Faudra peut-être que je la jarte bientôt. Ça aussi, je vais le jarter. Voilà, je peux enfin me soigner, manger la nourriture, et voilà. Donc, j'ai d'autres cadavres à coup sûr à fouiller, parce qu'il faut vraiment que je laisse rien passer. Un peu de lumière, ça fera du bien. Allez, porte verrouillée. Ah, du matos. Des medikits, ça c'est le genre de choses qui fait toujours plaisir. Il y a certainement du barda à l'étage, faudrait que j'aille jeter un coup d'œil. De toute manière, j'ai tué pas mal de mecs dans le secteur, je devrais trouver des choses, hein, honnêtement. Allez, hop. Ça, ça s'ouvre. Non, ça s'ouvre pas. Mais ça, en revanche... Alléluia. Enfin des munitions, quoi. Punaise, depuis le temps que j'en cherchais, j'ai un peu des munitions, enfin. Je vais quand même vider ce que j'ai avec mon AK et puis je la jetterai une fois que je serai à sec. Et j'ai apparemment un truc à faire juste là. Oh, tiens, bonjour, toi. T'es qui? Ah, c'est un des gars qui était... qui a essayé de me tuer. Qu'est-ce que je pourrais lui dire d'intéressant? Ok, donc apparemment le type là il va m'y conduire, mais moi je lui fais pas du tout confiance honnêtement. Il est armé, il est dangereux. Moi je vais me méfier personnellement, je vais le garder en joue, on sait jamais. Des fois qu'il me conduise dans une embuscade pour que je me fasse buter. D'ailleurs, il me conduit vers un groupe de mecs là. C'est lui. Ah voilà, putain, j'en étais sûr. Haha, je t'ai tué avant. Et vous? Arrête de tripoter ce flingue, je t'écoute. Eux en fait, ils sont foutus. Ok, d'accord, tant mieux pour moi. Je récupère tout ça. Hop, des grenades, j'en ai. Moi, oh, j'en ai, mais ça va. Ok, bon, hop. On décharge un, ce que je voudrais voir. Ok, un. Ouais, bon, conclusion, ce truc est en meilleur état, je vais l'abandonner. Je vais monter mon silencieux. Je vais reprendre mon AK. Quoique, est-ce que j'en suis au niveau munitions? Ouais, bon, je vais garder l'AK un peu encore. Puis quand j'aurai retrouvé pas mal de munitions et que j'aurai retrouvé ce qu'il faut. Tiens, il y a des cadavres là-bas, faudra aller les fouiller. Quand j'aurai retrouvé pas mal de munitions. Attention. Au fait, je voulais mon détecteur. Apparemment, il y a un artefact juste ici. Voilà. Tiens, bah, qu'est-ce que je vois? Hop, et voilà, j'ai enfin chopé un fucking artefact qui... Comment ça, il y a beaucoup de radiation? C'est quoi ce truc? Voilà, il faut que je jette ça en vitesse. C'est en train de me pourrir. Oh là là, il faut vite que je prenne des médocs. Voilà. Comme quoi, hein, ces saloperies sont très très dangereuses. Il faut que je me soigne. Hop. C'est quoi ça là-bas? Il y a un adversaire là-bas. En tout cas un ennemi. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh oh, une sale bestiole. Bon, pas la peine de chercher la bagarre. Je vais m'en aller. Je vais aller voir le type que je suis censé visiter. Enfin, que je suis censé aller voir. Ah bah dis donc. Hop, c'est toujours ça comme matos à prendre, hein. C'est quoi ça? Ça donne... Ouais mais il faut du... Ça contient du 9 par 19. Est-ce que c'est ce que j'ai? Oui, donc meilleur état. 13 balles. Allez, je prends, franchement, vendu. Allez hop, on prend ça. Je le veux, ça. Toi, t'as du matos. Ouais. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh bon, on le saura jamais, je crois. Oh, un VSS. Ça, c'est intéressant. Fusil de pression, un Vintar BC comme ils le disent, bon, vous avez tous reconnu la SVAL honnêtement. Fusil de précision, c'est du 9 par 39 et moi j'ai du 9 par 45, c'est dommage. Quel dommage, en revanche, ça c'est un petit PDA qui pourra toujours être utile. Je vais vider ce bordel, hop, et voilà. Je le mets à sa place, je décharge, je le jette.
Allez. Donc, qu'est-ce que je suis censé faire? Oula, beaucoup de radiation dans le secteur. Vodka. Vodka. Voilà. Ça va tout de suite mieux. Bon, je suis censé me déplacer par là-bas et aller trouver un chemin vers l'anomalie. Ok, on va voir ça. Rapide save. Saloperie. Et voilà, il est mort. C'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est la vodka, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que toutes ces radiations? On va se resiffler une petite bouteille. Ouais, même encore une parce que je suis pas complètement clear au niveau de mes radiations. Mais il y a beaucoup de radiations dans ce secteur, ma parole. Mais c'est innommable. Mais je crois que je vais mourir là, c'est pas possible. Heureusement que j'ai ce qu'il faut comme méda. Mais qu'est-ce que c'est que... Allez. Eh putain de merde. Bon tant pis, c'est pas grave, hein, on recharge la sauvegarde, heureusement que j'ai pensé à la faire. Et voilà, bon. Je vais regarder ma mini-carte cette fois. Je vais essayer de trouver un chemin à peu près tranquille, on va dire. C'est quoi ça? Qu'est-ce que... Voilà. Les mutants refont des leurs. Allez. Voilà, toi t'es mort, tu me feras plus chier. J'ai pas de la nourriture à tout hasard. Eh non, tant pis. Bon, il faut que je trouve... Il y avait encore un bruit là. Pff, c'est certainement rien. Quoique... Je vois un mutant qui court vers moi. Ouais, bon. C'est quoi ça? Je vois des yeux... Ah, c'est des yeux qui brillent, mais c'est les yeux des deux cadavres. Des monstres que je viens de tuer. Bref, alors toi tu vas m'attaquer à coup sûr. Allez, viens par là, viens voir un peu là. Voilà. Toi t'as pas, toi il a pas foulé grand chose pour te tuer. Bon, c'est encore des radiations par ici. Mais comment je suis censé passer alors que toute la zone est blindée de radiations? Expliquez-moi là, j'ai du mal à saisir. Je peux éventuellement essayer de contourner au maximum. Quoique là ça a l'air ici. Oh punaise, oh punaise, oh non 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 non. Fouf. Oh saloperie, c'est pas passé loin hein. Regardez-moi ça, allez. Tiens, il y a une anomalie ici. Et d'ailleurs j'ai subi un peu des radiations. Bon, comment je suis censé passer du coup? Parce qu'apparemment, enfin toute la zone a l'air d'être complètement complètement radioactive. Je vois pas comment je suis censé passer. Bah je vais passer au forcing, allez on va voir. Eh non, je me reprends une anomalie. J'ai réussi à m'en sortir, bah je vais crever encore une fois. Super. Allez, bah rebelote, hein. Il va falloir recharger et recommencer. Et on est reparti. On va essayer de trouver un chemin cette fois, parce que j'aimerais bien y arriver. Ah mais je comprends pas. Qu'est-ce que je suis censé faire là? Je peux... Allez, toi, ne commencez pas à me gonfler là. Hop, toi tu crèves. Voilà, toi aussi tu crèves, merci. Hop, encore la dose de radiation, voilà. Par où suis-je censé passer, putain de merde? Parce que quoi que j'essaye, c'est complètement rempli de radioactivité et d'anomalie. Je peux juste pas passer quoi. J'ai essayé de passer par là cette fois, peut-être que ça a passé. Peut-être que ça va... Non, encore des radiations à ne plus en pouvoir. Il y a un chemin au moins, j'espère. Tu peux pas grimper? Oh mais t'es sérieux. Ah là là. Et je me reprends encore la dose de radiation. Je peux pas courir, je vais crever. Voilà. Bon ok, putain ça me gonfle. Je vais couper, je vais trouver une solution. Et je relancerai l'enregistrement quand j'aurai trouvé. Ok, bah au bout du compte ça aurait été la manière la moins subtile de passer qui aurait été la plus probante. Je suis allé tout droit et puis ça a fini par marcher. J'aurais bien aimé comprendre mais bon. Au moins on avance, c'est l'essentiel. Oh, vous êtes là vous? Je vais pas rater ma rapide save hein, cette fois. Ça va. Non merci, j'en ai rien à cogner de vos affaires les gars, au revoir. J'ai un playthrough à terminer. Donc,
Continuons, continuons. Ah, c'est pas par là, super, génial. Et c'est encore ultra radioactif. Décidément, je vais pas m'en sortir, je sens. Ah là 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 là. Je vais re-regarder quand même parce que... Ah ouais, mais en fait, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que je vais pas du tout dans la bonne direction, quoi. Bon, je vais encore réessayer, hein. Peut-être qu'un jour, je vais finir par y arriver, à m'en sortir de cet endroit. Ah, encore une anomalie. Oh! Oh! Ah! Voilà quelque chose de saloperie de merde. Vite. Vodka, médoc. Hop, ça c'est fait. Encore un, il y en a encore un. Tiens, là je vous ai vu là-bas. Allez, montrez-vous. Allez, mais tu vas mourir, saloperie. Il m'a sacrément mis dans le rouge là, vite, hop. C'est quand même un peu chiant qu'on n'ait pas un raccourci pour choper un medikit. Quoique j'en ai peut-être un et j'aurais pas vérifié. Enfin bon, c'est pas le moment, on a déjà assez perdu de temps comme ça. Je veux mes grenades. Ah, et je me suis trompé de bouton. Bon, ça devrait le faire. Ok, magnifique. Voilà. Mais non, pas le cut. Ça, voilà. M'a fait... Allez, montrez-vous. Tiens, là, là, je te vois, là, saloperie. Voilà, encore un de moins. Bah, c'est clair que ça change des jeux actuels, hein, des jeux de ce niveau-là. On n'a pas un petit point rouge pour nous dire en permanence par où on est censé aller. Voilà. Ah, bon débarras. Oh, il y en a encore un. Et il m'a sauté dessus. Putain, ça fait au moins 10 minutes que je galère. Je vais vous épargner tout ça au montage parce que franchement, c'était pas passionnant du tout à regarder. Je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Je tourne en rond, je comprends pas du tout comment je suis censé y arriver là, ou à l'endroit où je suis censé aller. Tout à l'heure, j'avais trouvé un tunnel, mais impossible de remettre la main dessus, si je puis dire. Ah bah ça, c'est bon, le voilà. En fait, j'ai fini par trouver. Alors, je me rappelle qu'il y a des saloperies de snork. On va s'occuper de ça avec une petite grenade. Ah ok, une grenade ça les tue pas. Et une deuxième. Toujours pas. Mais on les jette à 3 cm les grenades dans ce jeu, sérieusement. Peut-être que comme ça, ça va faire quelque chose. Je vais essayer de nettoyer tout ça à la grenade. Ok, il reste quelques-unes de ces saloperies de snork. Comme celui-ci par exemple. Voilà, un de moins déjà. Il en reste encore un paquet, ça je sais. Crève, saloperie. Oh là, oh là, oh là, oh là. Allez, rebelote, quatrième essai, c'est parti. Je commence un peu à en avoir marre là. Ça va finir par me barber toute cette histoire. Allez, prenez-vous ça, putain. Crevez au moins. Une grenade, ça vous suffit pas. Tiens, allez, encore une deuxième, ça vous fera du bien. Allez, viens par ici. Putain, mais il leur faut combien de balles pour crever? Voilà, enfin. Putain, il y en a encore un paquet par là-bas. En espérant que ce sera efficace. Aïe 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 aïe. Non 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 non. Oh merde, je suis coincé. Allez vite, casse-toi. Mais cours putain, pas le couteau. Cours. Eh bah dis donc, de tension hein celui-là. Tiens, hop, toi je t'ai vu. Allez, montre-toi. Et c'est au moment où il va me surprendre. Je le sens, il va me surprendre ce salopard. Ah bah non, il est pas caché là en fait.
Merde, mais je suis encore cerné. Mais allez, mais cours, gros con, putain. Ah, oh, est-ce que c'est gavant, ce genre de choses? Ah bah quand même. J'ai réussi, il a fini par courir. Bon, je vais peut-être finir par avancer, ça fait... Vous vous en rendrez pas compte parce que je vais tout couper au montage. Eh vas-y, putain de ça. Allez, on retente encore une fois. Putain. Bah, vous savez quoi, je vais les déloger un par un comme des saloperies qui sont là. Fous le camp, toi. Mais... Ah, merci. Allez, vas-y, viens là, viens là. Je vais finir par y arriver. Allez, courage. Où t'es caché, saloperie? Est-ce que limite on voit mieux en éteignant la lumière? Parce que franchement j'arrive à peine à les distinguer. Est-ce que c'est impossible de voir un peu mieux sans la lumière éventuellement, car on n'aura pas la différence de noir et d'illuminé? On va voir ça. Il en reste et je sais pas où ils sont. Je sais qu'ils vont me tendre un piège comme des putes. Tiens, ils sont certainement là-bas. On va voir ça. Ok, aucun effet apparemment. Il est pas mort. Et non, on voit rien sans la lumière, au contraire. Tiens, hop, les revoilà. Encore un de moins. Et il y en a encore un qui va se pointer là. Ouais, on dirait. Ouais, non. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Faut à tout prix que je me heal en vitesse. Ouf. C'était des alus ou c'était vraiment des méchants? Enfin, des sales bestioles. Parce que depuis tout à l'heure, je croise des hallucinations. Ah non, plus finir. Putain, mais c'est qu'ils sont solides en plus. Ça y est, j'ai réussi. Eh bah dis donc. Ah bah nous voilà enfin à cette putain d'anomalie. Il reste encore une bestiole pas loin. Oh oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un géant. Oh là, faut que je me casse. Mais cours, il faut à tout prix que je me casse. Je peux pas lutter contre ça. Enfin si je peux, mais j'ai pas envie du tout d'essayer honnêtement. Je vais y laisser ma peau, c'est obligé. C'est encore ultra radioactif par ici. C'est moi où j'ai entendu encore des snorks. Bon apparemment pas. Je me suis tapé un petit freeze, super. Je vais essayer de passer comme ça par là. C'est encore radioactif comme t'en peux plus. Mais bon, après tout, je suis censé passer par là, c'est le jeu. Donc, c'est que c'est faisable. Ok, vodka, vite. Voilà. Il y a un sac pas loin, là. Va le trouver, hein. Putain, mais on voit rien, c'est un truc de fou. Ah, oh, 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 oh. Là. Des medikits, qui plus est des gros medikits, ça va être pratique quand même. Donc voici cette fameuse anomalie apparemment qu'on est censé chercher.
Eh, ça me fait une belle jambe. Ah bon, encore des bestioles. Voilà. Il y en a encore pas mal dans le coin. J'aimerais bien les éliminer toutes avant de m'avancer. Non, non, je veux pas mourir. Je ne veux pas. Putain de merde. Allez, on est reparti pour un nouvel essai. Allez, on est reparti. J'ai pas d'autres munitions avant. Parce que un chargeur, j'irai nulle part avec. Bon, vous savez quoi? Il est temps de jarter ce flingue. Je vais virer la lunette, le silencieux, parce que ça ne sera pas utile du tout. Reprendre mon ancienne arme. Allez, venez par là un peu, que je m'occupe de vous. Évidemment, c'est la nuit et on ne voit pas du tout, du tout, du tout. Je l'ai eu. Ah, je l'ai eu apparemment. Non, je l'ai pas eu. Bon, je vais m'éloigner un peu, recharger. Voilà, allez, on y retourne. Ils sont où les restants? Je t'ai entendu, mon coco. Eh bah, dis donc, il lui en faut des balles. Oh, il y en a un derrière moi. Alors, tu vas me faire le plaisir de très vite recharger tout ça. Et on va aller s'en occuper. Putain, il en reste encore beaucoup, même. Il en reste au moins deux. Ça veut dire un chargeur par ennemi. Bah, il me reste deux chargeurs, ça devrait le faire. Quoique, je me pose une question. Est-ce que si... Voilà. Eh hey. Oh, il arrive encore. Mais ils arrivent quand même à venir. Mais c'est pas vrai, mais je vais devenir fou, ma parole. Bon, on va foncer cette fois, y'en a barre. Allez, hop, saute. Mais saute du con, mais... Ah, c'est pas vrai. Évidemment, ils sont tous sur moi en gros paquet. Il faut absolument que je m'éloigne. Et il reste encore au moins un snork. Heureusement, je peux les entendre. Quoi? Il avait pas rechargé? Ou alors c'est moi qui ai oublié de recharger, mais c'est pas vrai quoi. J'ai plus de bandage, évidemment. Bon, allez, on va. Allez, génial. Il fallait qu'elle me fasse le coup, hein, évidemment. Il est là-bas. Tiens, hop, j'ai vu les yeux brillants dans la nuit. Ah, quoique, non, c'est une bestiole morte. Tiens, t'es là, toi? Je l'ai tué? Plus de munitions, plus de vie, évidemment. Voilà. J'ai rien d'autre comme type de munitions. Bon bah allez, hein, c'est parti, on va y aller avec cette petite arme de dépannage. Bon non, y a rien à fouiller là-dessus. Oh non, attendez, il faut à tout prix que je sauvegarde là. Ça m'a trop fait rager pour que je sauvegarde pas. Qu'est-ce que... Bon allez, cette fois on va pas perdre de temps. Et voilà. Eh bah punaise. Ça y est, j'ai enfin réussi à me mettre à l'abri. Eh ben ça aura pas été de tout repos, c'est le moins qu'on puisse dire. J'aurai... Salut les gars. Il faudrait que je trouve un marchand parce que là, je suis à sec. Enfin, vraiment besoin vraiment vraiment de racheter des munitions. Ah, les munitions ça s'achète pas, c'est vrai. Mais j'ai surtout besoin de réparer mon matériel. Parce que c'est ça le problème là, c'est que j'ai un matériel qui est pas dans un très bon état. Toi là. Échanger... Je peux pas rentrer. Voilà, si. Tiens, toi là. Non, tu peux. Non, rien. Bon, bah, je crois que je vais me démerder. Hein. Je vais devoir me démerder sans tout ça. Pourtant, il m'indique qu'il y a un truc juste là.
C'est lui apparemment, c'est un mec important. Ah oui, c'est un... C'est pas un gardien, mais un voyageur, un guide. Bon, allez, apparemment, le forestier, il habite ici. Oh, un être humain. Mais bonjour. Salut, mec. Que me vaut l'honneur. Ah, lui, il peut améliorer. Est-ce qu'il peut réparer aussi? Il peut réparer. Il faut absolument que je répare mon armure. Mon arme principale et mon arme secondaire. Voilà, c'est bon. Ceci dit, je peux améliorer. Ce serait l'occasion peut-être d'en profiter un peu. Ouais, bof, je préfère quand même garder mon argent. On sait jamais, des saloperies peuvent nous arriver. Ça, prisonnier... Là, j'en veux pas. Ça, faut que j'aille. Les mises malheureux va jusqu'aux entrepôts militaires. Le signal devrait être meilleur sur ces collines. Préviens-moi quand tu auras trouvé quelque chose. D'accord? D'accord, allez, on y va, c'est parti. C'est par là-bas. Ah, c'est encore ultra radioactif. On n'y voit pas à deux pas devant le bout de son nez, quoi. Salut les gars. Allez, range ton fringue. C'est bon, c'est cool. Oh, pardon. Voilà. C'est cool, y a pas de souci. Ça va, hein, vous allez, ils ont l'air bien installés. Oh. Oh, ça c'est une bonne nouvelle, les munitions. Et on va poursuivre notre route par ici. Bon, vous connaissez la chanson, à dans deux secondes. Allez, on est de retour. Qu'est-ce que tu fais ici ? Les mecs de la liberté, ça c'est bien. Ok, j'ai une mission, rejoindre les mercenaires dans le village. Ouais, allez, c'est parti. Y a pas du matériel à voler là-dedans. C'est pas comme si j'étais en galère totale, mais bon. Allez, c'est parti, faisons la route. Qu'est-ce que c'était que ça? Ce serait pas des sangsues, les espèces de saloperies invisibles qu'on avait vues un peu plus tôt dans l'aventure? Parce que là, honnêtement, un truc invisible dans la nuit, on n'est pas prêt de le repérer, hein. Y a pas des trucs? Voyons voir. Faudrait fouiller un... Faut que je fouille un petit peu, je suis obligé vraiment là. Bon, rien. Ah, ceci dit, les mercenaires sont là-bas. Et y'a rien ici. C'est bon, c'est cool. Ça, c'est un sacré boulot. Ok, donc mon taf c'est d'intercepter la transmission. Mais manifestement, y'a un mec là. 5000 roubles. Non, je peux toujours rien lui acheter, mais par contre, ça, je prends. Voilà. Et toi là, t'as rien? Non, t'as rien, dommage. Donc, est-ce que c'est loin au fait? Pas trop, non. Il y a une sangsue dans le coin. Je pense qu'on va bien rigoler. Ça risque d'être sportif. J'ai pas des munitions pour mon arme, évidemment, non. J'ai des munitions, mais pour des armes que je n'ai plus. J'ai pas d'AK, j'ai pas d'AKU. Les munitions ne me serviront strictement à rien. Oh, je l'ai vu là. Je t'ai vu là, la sangsue. Quoique, avec les yeux qui brillent dans la nuit, on peut la repérer, hein, mine de rien. Tiens, bah elle est là. C'est bon, elle est morte. Saloperie. Y'a rien à trouver? Non, y'a rien. Je préfère avancer prudemment. Hein. Tiens, bah un coffre. Ah, rien dedans, génial. Ah, ça va, c'est bon. Allez, il faut grimper tout en haut. Si vous m'entendez, on est bloqué dans une anomalie. Impossible.
complètement HS. On peut voir une ville au loin. Nos coordonnées, 51, 10, 3, 1, 2. Est-ce que quelqu'un nous entend? Non! Eh merde! Et regardez-moi tout ça. Bon. Eh, venez, venez, revenez, revenez, revenez. Voilà. Petit cadeau. Mais regardez-moi tous ces clubs. On va nettoyer ça avec la grenade. Et je me suis blessé avec une de mes nades, ou quoi? Pas de nourriture. Ah, arrête de te cacher, toi. Voilà. Je dois aller parler au forestier à présent. Personne qui essaie de m'entuber là. Tiens, bah hop, là voilà la censure. Bon, je vais rebalancer une grenade, ça devrait être efficace. Ouais, en effet, je me blesse avec mes grenades là. Et elle revient. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être plutôt monter à l'étage. Ah putain, génial. Ah super, bravo. Bravo. De toute manière, elle peut se ramener, hein. Je suis prête à l'accueillir. Haha, je t'ai vu. Allez, viens par là. Mais tu veux venir, oui ou non? Allez, viens par là. Et voilà, bon débarras, on a enfin fini cette putain de sangsue. Bon, la récompense, honnêtement, ça attendra. Moi, je suis pressé de finir l'aventure, honnêtement. Aïe, 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 aïe. Bon, faut mieux rester sur les routes, à mon avis, ce sera plus prudent. Et puis surtout, je me paumerai pas. Allez, allez, on va continuer par là. Y a quelque chose là-dedans? Oh, rien, super. Plutôt prendre le détecteur. Ouais, lui c'est un gentil, y a pas de souci. Bah bon, ici le détecteur sera peut-être pas très très utile. Allez, on va retourner voir le forestier. Bon, vous connaissez encore une fois la chanson, à tout de suite. Allez, on est reparti. J'ai plus de bandage, je suis en train de saigner comme un cochon. Je vais me retrouver complètement low HP dans pas très longtemps, ça va être bien ça. Et hop. Le voilà, enfin la baraque du forestier. Mais c'est qu'il avance à deux à l'heure, ma parole. Bah, j'ai plus d'endurance, honnêtement, c'est compliqué dans ces cas-là. Au fait, dites ce truc-là, vous êtes gentil, mais... Ah, je peux pas les abandonner. Bah, vous êtes sûr? Ah si. Celui-là, je peux pas, celui-là, je peux pas. Bon, bref, allez. Retourner à l'étage. Hop. T'es ici que... Ouais, bonjour. Les mercenaires. Inutile de sortir le jardin. En fait, ces ordures se sont installées à la lisière de la forêt rouge. Je viens d'envoyer... Non, merci. Allez, j'y vais, c'est bon. C'est loin, notre affaire. La boussole.
Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'ai aucune idée depuis combien de temps je filme, mais je pense que ça suffira. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve une très prochaine fois pour la suite de l'aventure. Allez, ciao tout le monde.